Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui commence. Là, il est pas encore 10h, on est lundi. J'ai fait quelques petits changements dans la pièce YouTube. Mais bon, il y a toujours le bazar en attendant d'avoir mon meuble là. Je vous montrerai ça quand ce sera terminé. Hier, j'ai eu un petit coup de sang. Je me suis dit non, je veux tout changer, nanani, nanana. Ce que j'ai fait, donc j'ai poussé tous les meubles toute seule. Donc voilà, je vous montrerai ça, ouais, quand je vous ai dit. Je me suis maquillée vite fait, mais j'ai pas fait mon teint, j'ai juste mis enfin voilà quoi, vous voyez, faut que je mette un petit coup de gloss, enfin de gloss, de la Labello. Ouais, il est 9h46. Programme de la journée, ma mère m'attend là, on a 2-3 courses à faire et tout, mais moi j'ai 2-3 trucs à acheter regardez petit bébé chat. Bon, parure de chez Leclerc comme d'habitude. Ça va toi? Ça va? Oui, ça sonne chez quelqu'un, du coup elle a peur. On a rendez-vous aussi parce que notre médecin a déménagé, maintenant elle est hyper loin de chez moi et de chez ma mère du coup aussi. Donc quand on veut aller chez le médecin, on prend rendez-vous toutes les deux en même temps. Et moi c'est mon rendez-vous trimestriel. Voilà pour mon traitement. Donc on a rendez-vous toutes les deux cet après-midi. Donc là, programme de ce matin, aller chez Jiffy, j'ai 2-3 trucs à acheter, aller chez Cora vite fait et après aller chez le médecin. Voilà, donc je me dépêche parce que ma mère m'attend. Voilà, je me suis pas vraiment coiffée hein. Si, j'ai fait des petits poup poup poup. Nouvelle journée. On est mardi, il est 10h, il est quelle heure? 10h02. J'attends le livreur Ikea. Alors j'ai pas compris, je devais être livrée entre midi et 16h. J'arrête pas de recevoir des mails et des SMS dans ce sens. Et depuis 7h ce matin, ils me disent qu'il va arriver vers 10h30. Et en fait, vous avez la tournée, vous avez le suivi de tournée des trucs. Et regardez, il n'y a plus qu'un client devant moi, voilà, qui est déjà en train d'être livré. Donc ça va que je me réveille tôt, même si j'aurais bien glandouillé dans le lit devant les mails et devant YouTube. Mais non, du coup je me suis réveillée tôt. Ah, attendez, regardez. Coucou, tu te caches? Toujours une petite bougie qui est en train de chauffer, la bougie d'Oli & Jack. Linge frais. D'ailleurs j'ai refait une commande d'Oli & Jack. Oui, je sais. J'ai refait une commande d'Oli & Jack. J'ai sorti mes outils, j'ai même rechargé ma visseuse parce que la dernière fois, elle n'était pas assez... J'ai fini à la main, elle n'avait pas assez de gouache, je ne l'avais pas assez chargée, voilà. Et là, dans la salle, il y a la smoothie aux fruits rouges qui est en train de se consumer. Oui, je passe toujours du coq à l'âne, moi. Je vous parle de visseuse, de bougie et de livreur Ikea. Donc, bah, je suis prête. J'attends qu'il arrive et tout. Donc tant mieux, comme ça je vais pouvoir enchaîner avec le montage des meubles. C'était ça que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Montage de meubles et tout. Pour pouvoir enfin ranger et désencombrer la pièce YouTube. Donc après je vous montrerai comment j'ai rangé et tout ça. Je vais pas vous faire un room tour, mais bon, je vous montrerai en gros quoi. Et voilà, j'espère que cette fois-ci ils vont pas casser mes meubles, qu'il va pas faire le kéké dans l'escalier en laissant tomber mon meuble pas, voilà, par terre, dans l'escalier, hein. Et voilà, là la maison est propre, j'ai fait le ménage, j'ai mis les bougies, j'ai aéré. Il y a un vent de malade dehors, c'est un truc de dingue. Et il commence à pleuvoir. Ah, je vous ai pas montré, j'ai remis mes voilages couleur mint comme ça dans la salle. J'aime bien. Encore un truc que j'ai fait ce week-end. Mais du coup je me suis explosée parce que ce week-end j'ai bougé tous les meubles de la pièce YouTube. Tiens, on a un chat qui est là. J'ai bougé tous les meubles de la pièce YouTube, j'ai changé les rideaux. Donc voilà, je suis pas censée porter des trucs lourds, faire des trucs lourds comme ça et tout. Ben je le fais quand même, comme je dis, si je le fais pas, personne ne le fera pour moi. J'habite toute seule ici, moi, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui peut venir m'aider. Ah. Donc ouais, non mais de toute façon j'attends pas après les gens pour le faire, hein, vous savez bien. Mais bon, changer des rideaux, il n'y a pas mort d'homme, hein, ça je le fais tout le temps. Je monte sur mon petit escabeau et hop hop hop. Par contre, monter les meubles et... non, c'est pas un truc de mec, je suis désolée.
Non, on peut tous monter des meubles et les bouger quand ils sont vides, bien sûr, parce que sinon c'est trop lourd. Donc voilà, ça va être ça le programme du jour. Hier, je vous ai pas repris, je suis rentrée hyper tard, c'est pour ça que je suis un peu claquette parce qu'hier, je vous raconte ma vie, vous aimez bien. Hier, je suis allée chez ma mère, on avait notre rendez-vous toutes les deux chez le médecin, comme je vous ai dit, comme on prend rendez-vous ensemble et tout. Cette semaine, elle va être chargée, hein. Donc on avait rendez-vous chez le médecin en début d'après-midi, mais avant on est allé chez Jiffy. Chez Jiffy, en fait j'avais besoin, voilà, on va rentrer dans les détails les gars, j'avais besoin d'une cloche pour micro-ondes, vous savez, d'un couvercle à micro-ondes là, parce que le mien a fondu. En fait j'ai fait des pop-corns que j'ai acheté chez Action et j'ai posé les pop-corns dessus et en fait ça n'a fait qu'un avec le truc de micro-ondes. J'ai dit super. Donc tout est parti à la poubelle et donc il m'en faut une. Je me suis dit je vais aller chez Jiffy, j'ai pas trouvé. J'ai fait Cora, j'ai fait Leclerc, j'ai fait Action, j'ai pas trouvé. Il me fallait aussi un pilulier, vous savez, pour mettre toutes mes petites pilules et tout. Alors j'en ai déjà un où je mets tous mes médicaments parce que je prends des médicaments régulièrement à cause de la maladie et tout ça, donc ça j'ai pas le choix. Donc tous les soirs j'ai mon petit pilulier qui est prêt et tout ça, mais avec toutes les vitamines là, de My Vitamine que j'ai reçues, les gummies et tout, je me suis dit attends, ce serait bien que je fasse un pilulier. En fait je me suis aussi amusée à faire ça ce week-end, j'ai pris toutes les boîtes de My Vitamine, tous les trucs que j'ai reçus, même les gummies et tout, je suis allée sur leur site et avec un stylo indélébile j'ai écrit sur la boîte combien il fallait que j'en prenne par jour et quand, genre matin, midi ou soir ou les deux ou les trois, enfin bref. Et j'ai marqué pourquoi c'était, genre pour les ongles, pour le stress, pour la digestion. J'ai tout écrit parce que sur les boîtes c'est écrit en anglais. Donc j'ai fait ça et je me suis dit attends, j'ai plein de boîtes là dans la cuisine et à chaque fois j'oublie de le prendre. Genre j'arrive le midi, je fais oh j'ai oublié de prendre mes gummies le matin et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé un pilulier, parce que je ne l'ai trouvé nulle part aussi, hein, j'ai cherché partout. Finalement je l'ai trouvé chez à ma pharmacie, alors qu'avant il y en avait chez Action et tout, chez Jiffy. Bon, le mien que j'ai acheté, je l'avais acheté chez Jiffy. Donc bah non, finalement en rentrant je me suis arrêtée à ma pharmacie, je dis dites-moi que vous avez un pilulier. Et donc j'ai acheté mon petit pilulier, après en rentrant hier j'ai fait ça. Je suis rentrée, il était plus de 17h. Je suis rentrée, j'ai fait ça, j'ai fait mon petit pilulier et tout. Donc ce matin, j'ai pu prendre mes petites gummies et tout, voilà. Et donc on est parti chez Jiffy. Et il me fallait aussi chez Jiffy des accroches cadres, vous savez, les trucs qui se scratchent là. J'en ai pas trouvé chez Cora, j'en ai pas trouvé chez Hyper U, j'en ai pas trouvé chez Leclerc. Bref, il doit y avoir pénurie là, parce que c'est pas possible. Et j'attends une commande Chine, et il y a un truc que j'aurais aimé accrocher avec dans ma pièce YouTube. Donc, parce que moi je peux pas percer les murs, c'est du béton, alors il faut que j'aille avec une perforatrice, perforeuse, ouais, enfin bref. Et j'ai pas envie pour une toute petite déco de faire un gros trou, enfin bref. Et chez Jiffy, il me fallait aussi un. Alors j'appelle ça un marchepied caca, vous allez rigoler. Je vous dis, on est intimes, vous et moi. En fait, vous savez, c'est les espèces de petits marchepieds. Ils en vendent chez Ikea et tout ça, mais bon, Ikea, là, pour l'instant, voilà, c'est pas possible. Et en fait, ils en vendent chez Ikea pour les enfants et tout ça. Vous savez, c'est le truc... je vais vous montrer après. Et en fait, ils en vendent, et ça a deux utilités. Soit les enfants, pour qu'ils puissent accéder au lavabo et tout ça, pour se laver les dents et tout, se laver les mains. Mais moi, j'appelle ça marchepied caca parce qu'en fait... Quand vous êtes aux toilettes en train de faire vos selles, et ben, il y a une position à normal. On fait tous caca mal, en gros. Et il y a une position à adapter. On n'est pas censé faire caca comme ça pour nos intestins et tout ça. On les bloque en fait quand on se met en position assise. Il faut qu'on ait légèrement les jambes surélevées. Donc, dans les magazines de santé et tout ça, les trucs qu'on peut voir à la télé, je vais regarder en même temps le livreur. Ils disent toujours de surélever les jambes avec un petit tabouret et tout. Et ils préconisent ce genre de tabouret. Donc, il est toujours en train de livrer l'autre. Donc, j'en ai trouvé un chez Jiffy à presque 4 euros, 3 euros, on va dire 3,80 euros et quelques. 3,90 euros. Et je vais vous montrer ça. Donc, j'ai acheté mon petit tabouret à caca pour mettre dans mes toilettes. N'empêche, c'est hyper bien. Je vous assure, ça vous permet vraiment d'avoir la bonne posture pour...
voilà, que ça s'évacue. Et c'est pas mal, franchement, si ça peut vous donner une petite astuce, si, parce que c'est vrai que quand on se... Je vais pas vous mettre un schéma, mais quand on s'assoit comme ça, on pince un des intestins et tout ça, et du coup, ça ne sort... Enfin bref, on s'en fout. Et donc, j'ai trouvé ça chez Jiffy. On a fait 2-3 courses aussi avec ma mère, vite fait. En fait, hier, on est parti chez Cora à Dreux. On s'est dit, bon, vu qu'on est dans le coin, parce que Jiffy, c'est en face Cora, à Dreux. On est parti à Cora, et Cora, je déteste ce magasin. Ce magasin, il est devenu... Alors déjà, il est hyper cher, mais il est devenu du grand n'importe quoi. On trouve rien, il n'y a rien, il y a des trucs, c'est pas au bon... Enfin bref. Du coup, avec ma mère, on a tout reposé ce qu'on avait pris, ce qu'on avait commencé à prendre. Et je lui ai dit, écoute maman, parce que moi, j'aime pas aller au Leclerc de Dreux. Parce que, pareil, il est dégueulasse ce magasin. Voilà. J'ai dit, écoute maman, on va aller au Leclerc à côté de chez moi. Elle me dit, ouais, mais ça te fait faire un aller-retour et tout. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on est venu au Leclerc là de chez moi. Il est très bien ce Leclerc. Il est parfait. Je peux pas vous dire de où c'est, mais bon, voilà. Et voilà, on a fait nos courses là. Après, on est rentré chez ma mère. On a mangé. On est parti chez le médecin. Et en revenant, on s'est arrêté chez Action. Chez Action, comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et qu'est-ce qu'il me fallait? Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? J'ai rien acheté chez Action. Bah si. Parce que c'est moi qui ai fait une carte. Bah, je me vois à la caisse en tout cas. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? Pas grand-chose, hein. Bref, ça devait être des broutilles pour la maison, des trucs comme ça. Mais je m'en souviens plus. Je me souviens plus de ce que j'ai acheté chez Action. C'est grave quand même. Enfin bref, et... ah oui, je vous ai pas dit, chez Leclerc, je suis retournée voir les promos beauté. J'ai enfin pris le lot de gel douche Cadom. Du coup, je disais, oh ouais, dommage et tout. Pour les gels douche Cadom, j'aurais dû aller prendre et tout ça. C'est un lot de 4 et tout ça. Finalement, j'y suis retournée, j'ai pris. Il y avait toujours pas les gels douche Dop. Non, il n'y avait toujours pas les gels douche Dop. Non, chez Action, j'ai rien acheté. Je rabotis. Non, chez Action, j'ai rien acheté chez Action. C'est pas moi. C'est ma mère qui a fait une CB. Moi, j'ai fait une CB chez Jiffy. Oui, je me revois à la caisse payée chez Jiffy. Oui, oui. J'ai acheté mon truc caca là. Et j'ai acheté un gel douche cottage au pamplemousse. Je connaissais pas. J'ai vu ça chez Jiffy. Je dis, voilà, je vais vous montrer tout ça. Chez Leclerc, j'ai repris les gels douche Cadom. J'ai repris les produits Christian Lénard, là, au pissenlit et au thé vert. Parce que, honnêtement, ça fait hyper bien effet. Tout ça, je me suis dit, là, c'est en promo et tout. Je vais en profiter. Je vais refaire un petit stock. Donc, j'ai refait mon petit stock. Et j'ai repris aussi une crème Nivea. J'ai regardé une vidéo de Sananas et elle a montré tout ça. Je me suis dit, oh, c'est vrai, crème Nivea, ça me donne trop envie. Et là, c'était une nouveauté à la fleur de cerisier. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Ah oui, et c'est ça aussi que je voulais vous dire. Je veux tout vous dire maintenant, là, avant qu'il arrive. J'ai découvert une chaîne YouTube que j'adore. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop bien. Toujours ces histoires de pas de podcast, mais de ces nanas, en fait, qui racontent. Je vous mettrai le screen de sa chaîne ici. Ça s'appelle True Crime. YouTube ou channel ou un truc comme ça, The True Crime Channel. Bref, c'est une chaîne en fait d'une nana qui, elle est hyper intelligente. Je crois qu'avant elle était hôtesse de l'air, si j'ai bien compris. Et en fait, elle raconte un peu comme Victoria Charlton et tout ça. Elle raconte des faits divers et enfin, au niveau des enquêtes criminelles et tout ça. Elle donne un peu son avis et tout. Elle n'est pas comme Sonia LWU. Elle ne donne pas spécialement son avis au niveau psy parce qu'elle ne sait pas sa branche. Mais c'est très calme, très posé. Voilà, elle parle des enquêtes criminelles et tout. J'adore. D'ailleurs, Sonia LWU a sorti un bouquin là. On peut le prendre en précommande et tout sur les enquêtes criminelles et tout ça. Enfin, bref. J'aime beaucoup voilà. Et elle fait donc des vidéos en français et les mêmes vidéos, elle les tourne également en anglais. Donc voilà, c'est une chaîne pour tout le monde, c'est international le truc. Et voilà, je voulais vous partager ça parce que j'ai un gros coup de cœur. Là, j'ai passé tout mon week-end le soir et tout à regarder ça, à rattraper les vidéos et tout que j'avais pas vu.
Et là également, quoi. Donc, cette nuit, enfin, ouais, comme il a fait du vent, je dormais mal. Et j'ai regardé ça. Voilà. Est-ce que je vous montre mon tabouret caca? Ah oui! Et aussi, j'ai refait une commande chez Dolly and Jack. Ben, je vous l'ai pas dit il y a 2 secondes, là. Non, bon, bref. J'ai refait aussi une commande chez Dolly and Jack. Ils ont sorti une bougie en collaboration avec une youtubeuse. Et j'avais trop envie. Donc, du coup, j'ai recommandé. Enfin, c'est moi hein, qui commande à chaque fois. Hein. À part la dernière fois, les bougies Ko-fi et le premier. Et les premiers. Car, enfin, le premier colis que j'ai reçu, c'était eux qui me l'avaient envoyé. Mais entre-temps, j'ai repassé déjà trois commandes, je crois. Ouais. Et bref, et du coup, ouais, j'ai repris la bougie en collab avec eux. Et il y en avait une que j'avais aussi envie de tester. C'est une bougie à la figue. Et j'ai repris une bougie linge frais. Voilà. Je vais vous montrer mon truc à caca. Et j'ai commandé plein de trucs ce week-end. J'ai pas arrêté. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Il y avait moins 30% chez Kiko. J'ai commandé, il y avait moins 20 et quelques pourcents chez Beauty Bay, j'ai commandé. Voilà, là je suis en train de craquer, j'avais dit ouais, j'achèterai plus de palettes, nanani, nanana. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin bref. Et alors, voici mon. Attendez, j'enlève le. Voilà, ça me gênait là. Mon tabouret à caca. Voilà. C'est très intéressant. Bon, normalement il va devant, mais j'ai. Ce week-end, j'ai lavé tous mes tapis, tout ça, là, donc j'ai remis les tapis et tout, enfin bref. Et le fameux cottage au pamplemousse. Écoutez, celui-ci, je ne le connaissais pas. Et celui à la framboise, il ressemble énormément au dop de la barquette parfum framboise. Celui-là, là. Oula, restez avec moi. Il y en a trop, là, sur le bord de la baignoire. Donc voilà, je suis prête. J'attends que le monsieur, il arrive pour me livrer. Ça sent bon, oh là là. Ça sent trop trop bon. Bah déjà là dans le couloir ça sent les trucs de bâton là que je vous ai dit au whisky et cigare. Et puis voilà, je vous montre vite fait ma pièce YouTube. Voilà. Et en espérant que ça dégage aujourd'hui. Parce que là j'en peux plus. J'en peux plus. Bref, je vais. Voilà, j'ai fait la place et tout ça pour pouvoir. Monter mon meuble tranquillou et voilà, je vous montrerai quand le meuble sera arrivé, mais je pense pas vous faire encore une fois une vidéo, enfin vous filmer pendant que je suis en train de monter, c'est non. J'ai reçu ma commande Ikea. Alors attendez, parce qu'il est 10h56, il est venu il y a quoi, il est parti genre il y a peut-être 10 minutes pour une livraison entre midi et 16h. Heureusement que j'étais à la maison. Par contre, bonne nouvelle, entre guillemets, l'ancienne commode qu'ils ont livrée la dernière fois qu'ils ont fait tomber, du coup c'est moi qui l'ai gardée. Et ils l'ont pas reprise. Ils m'ont dit non, que je la gardais, je pouvais la garder et tout. C'est le service client qui m'a dit ça. Donc bah, j'ai gagné une commode. Je suis contente. Donc je vais la monter. Je vais voir si vraiment les tiroirs c'est hyper cassé et tout ça. Et puis bah de toute façon ça peut toujours servir. On va dire ça comme ça, donc elle est là. L'ancienne. Je vous ai dit, je pouvais pas accéder à mon. Attendez. Je peux pas accéder à mes trucs parce qu'en fait, elle est là. Il y a les deux cartons. Le carton qui est tombé, c'est celui-ci. Vous avez les tiroirs qui sont bignés. Et encore, c'est pas ce côté. Et voilà, donc je vais. Bah, j'ai celle-ci et celle-ci à monter. Voilà, mais j'avais fait de la place. Du coup, il y en a une 4 tiroirs qui va atterrir celle ici, à la place de la 3. La 3, je vais la mettre là-bas. Et l'autre 4, qui est ici, du coup, dans le tiroir, dans le placard, elle va aller là. Bref, il y a du boulot. C'est parti, je vous montrerai quand ce sera fait. On se retrouve bien plus tard, parce qu'il est 14h et quelques. Tout en sueur, tout est... Franchement, bon ça y est, tout est rangé, tout est fini. J'ai même été mettre les cartons et tout au tri et tout ça. J'ai même vidé la litière de Mina. J'ai même fait des papouilles à la Mina. Elle a eu peur. Elle a eu peur quand j'ai monté les meubles. Et elle m'a fait un vomi, du turfu. Oh là là, j'avais mal au cœur pour elle, la pauvre. Et depuis, elle est toute chouin. C'est, voilà. Une petite mamie. Une petite mamie toi? Oh mais oui maman elle est là. Elle a peur des gens. Donc je vous montre, j'ai plus d'eau, je dois avoir des bleus partout. J'ai très faim aussi. Et
Donc je vais aller manger. Je vous montre déjà la chambre. Alors, dans la chambre, j'ai mis le meuble 4 tiroirs. Sachant que je dois tourner une vidéo pour tri vêtements. Donc je vais pouvoir bien ranger tout ça. Parce que là, dans les deux tiroirs du bas, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, dans une commode aussi, il n'y a rien du tout. Enfin bref. Donc voilà, c'est plus haut. Il y a un tiroir de plus. Mais ça ne me dérange pas. Et puis, bah, comme je dis... Si mon chéri a besoin de mettre des affaires et tout ça, bah il y a la place. Voilà, parce qu'il faut que je trie aussi ce meuble là et tout ça. Donc voilà pour celui-ci, le meuble 4 tiroirs. Ça va, ça a été rapide. Enfin, j'ai fait 3 heures quand même pour tout faire, pour tout ranger aussi. Parce qu'après, il a fallu tout mettre dans les tiroirs. Et la pièce YouTube. Donc là, il y en a une 4 tiroirs. Alors là. C'est ma mallette pour les ongles et tout ça, donc elle bouge, hein, elle n'est pas tout le temps là, donc ça m'empêchera pas d'ouvrir le tiroir. Elle est sur roulette et tout, donc voilà. Là, j'ai mis mon espace de travail entre guillemets. Une deuxième commode qui est remplie de produits pour les ongles, c'est tout ce qui est backup et tout ça, produits pour les ongles et tout. Donc c'est nickel, ça s'ouvre et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Ma petite desserte et tout ça. Mon meuble Alex de chez Ikea, ouais, parce que du coup le derrière de tournage ce sera là. Je vais mettre une petite guirlande, mais bon, le fond que vous aurez de vidéo ce sera ça. Ici c'est tous mes vernis normaux, mais je sais pas si je vais pas les mettre dans le meuble Alex et vendre ces petits casiers là. Parce qu'au final, là j'ai une commode 3 tiroirs, celle qui était dans la chambre, elle est vide. Et le meuble Alex, il y a aussi des tiroirs de vide. Donc je me dis, est-ce que je ferais pas mieux de mettre plutôt les vernis, parce que ces trucs là, voilà, les vernis ici. Et puis tiens, oui, ça c'est pour amener oui, parce que jeudi je pars en Bretagne. Bah oui, déconfinement oblige, jeudi je pars en Bretagne, donc j'ai préparé des petits trucs. Donc ouais, je sais pas. Parce que je sais pas. Bah là c'est vachement plus... Oups, il y a une commode derrière moi. C'est vachement plus spacieux. Mais c'est juste le fond de vidéo qui risque de pas être très très beau. Mais bon, on s'en fout. Et voilà, qu'est-ce que tu fais Mina? Mais t'explores? Oui, maintenant qu'il n'y a plus de bruit, qu'il n'y a plus personne. Que t'as plus envie de vomir, n'est-ce pas? Elle explore. Voilà, tu fais câlin? Non, elle explore. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais je vais aller manger. Et mais... Non, ça par contre, non, non. Ça c'est mon téléphone. Je vais aller manger et puis monter, commencer à monter le vlog. C'est tipeur. Nouvelle journée. On est mercredi. Ouais. Il doit être quelque chose comme 11h15, un truc comme ça. J'ai refait mes taches de rousseur. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Je vais tourner dans une vidéo. C'est la première fois que je vais tourner une vidéo avec... Le fond qui a changé, j'espère que ça va être joli. Bon, un mur blanc quoi. C'est pas grave, ce sera neutre. Il est quelle heure là? Ah, il est midi 2. Oui, effectivement. Ce matin, j'ai fait plein de trucs. J'ai préparé mes affaires pour demain. Parce que je vous rappelle que je pars en Bretagne. J'ai préparé mes affaires pour demain. J'ai refait une lessive. Là, c'est en train de sécher vite fait. Et voilà. Oh, ma bougie, elle va bientôt être finie. Regardez. Il reste plus grand chose. Donc voilà, là je m'apprête à tourner, comme je vous ai dit, une vidéo. Je veux que faire un maximum de vidéos, même si c'est une vidéo bonus que je vais pas sortir tout de suite, je pense celle-ci. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Là il y a un sèche-linge qui est en train de tourner. Si vous vous demandez ce que j'ai sur les lèvres, c'est le gunner de chez MAC. Voilà, tout simplement. Donc programme de la journée, bah tourner une vidéo. Faire le montage comme d'hab et puis faire le montage aussi du vlog. Et voilà quoi, qu'est-ce qui se passe dehors là? J'ai déjà préparé mes affaires, j'ai lavé mes pinceaux, j'ai fait plein de trucs ce matin, j'ai lavé mes pinceaux, j'ai fait plein de trucs. Et voilà, donc hop, je vais sortir mon petit truc pour tourner, mon petit attache. Pour me mettre là, pour me garer sur la ring light. C'est un truc que vous venez visser en dessous votre appareil photo. Bon bah, c'est parti. Je vais fermer les volets parce que je ferme toujours les volets et les rideaux pour qu'il y ait
que mes lumières artificielles et pour atténuer un petit peu le bruit de la route parce qu'il y a énormément de bruit de route ici, c'est chiant. Donc je vais, voilà, je tourne, je vous retrouve plus tard. J'ai terminé ma vidéo, je vais aller manger, j'ai trop faim. Je voulais vous montrer, justement j'ai mis la... J'ai laissé la caméra ici pour vous montrer le setup. Comme ça, vous l'aurez en exclu dans le vlog avant tout le monde. Je sais pas encore refait. Je pense qu'il va y avoir une petite guirlande et tout derrière. Enfin voilà, on voit même pas la guirlande sur le lit. Non, au final, on la voit même pas. Un chouille, on aperçoit un petit peu de lumière par là-bas. Mais, mais voilà, je sais pas trop. Mais je sais que le fond a l'air plus sombre. Mais je vais éclaircir, hein, quand je vais faire ma... Bon là, pas en vlog, mais quand je tournerai et tout ça, j'éclaircirai pour que le focus soit fait sur moi. Mais voilà, je sais pas après si ce qu'il y a sur les étagères, ça va bouger ou pas. Et le fait qu'elles soient décalées, les étagères, ça me perturbe. Alors qu'avant, ça me perturbait pas, les gars. Enfin bref, je vais aller manger parce que là il est plus de 13h et voilà, j'en peux plus, j'ai la dalle. Je vais aller faire le montage et je vous dis à plus dans le bus. Nouvelle journée. On est jeudi, il est 10h moins le quart. Mes affaires sont prêtes. Ce matin j'avais un rendez-vous téléphonique avec ma coach. Coucou Laurie, si vous passez par là. J'avais rendez-vous avec ma coach du centre européen de formation. Donc j'aime bien, c'est positif tout ça. J'attendais d'avoir mon rendez-vous et ensuite de décoller parce que là je m'en vais en Bretagne. Donc voilà, je voulais vous prendre avant de prendre la route. Je pense arriver un petit peu avant 13h. Donc voilà, je suis impatiente. Je suis impatiente. Je parle pas de ça. D'ailleurs je vous avais dit que voilà, je garde un peu mon petit jardin secret. Donc quand vous me posez des questions, à savoir oui, on n'entend plus parler de ton chéri, nanani nanana, c'est normal. Déjà parce qu'il y a eu le confinement, donc comme on n'habite pas à côté, forcément on a dû chacun voilà, rester dans notre coin. Voilà, parce qu'on n'est pas du tout dans le même secteur, hein. Moi je suis à côté de l'Île-de-France et lui en Bretagne, donc forcément il y a plus de 300 km d'écart, donc on ne pouvait pas. J'essaye de trouver mon chat avant de partir. Voilà. Donc non, je ne vous en parle pas et je ne vous en parlerai pas plus, effectivement. Et je ne filmerai pas non plus chez lui. J'ai décidé que voilà, je vais vous reprendre quand je serai arrivée, tout ça, pour vous dire voilà, je suis arrivée et tout et tout. Et je clôturerai le vlog, voilà, demain. Je ne vloguerai pas, bah, pour justement garder notre truc à nous, quoi. Voilà, voilà. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais là, je suis pressée de décoller. J'en peux plus. Je suis pressée de décoller, j'ai mis une petite robe. Oui, j'ai filé la meuf. J'y file la meuf. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends un peu plus tard. Là, il est 14h passé, il doit être 14h15, un truc comme ça. Je suis bien arrivée à Rennes, ça y est, c'est bon, on a posé mes affaires, tranquille, on a mangé et tout. Et voilà, pouf, il a plu de dingue sur la route pendant les 300 km. Et il y a eu un vent de malade mental. Enfin bref, le principal c'est que je sois arrivée, donc là monsieur est en train de bosser tranquillou. Moi je vais clôturer mon vlog et pendant qu'il bosse, je vais aussi... faire le montage de ce vlog et bosser également de mon côté. Donc voilà, je suis désolée. Comme je vous ai dit, je vais pas vous prendre quand je serai ici. Bah parce que voilà, c'est nos moments à nous et j'ai pas envie de toute façon que vous voyez son chez lui et tout ça. Enfin, je garde ça pour moi, mais je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, c'est pour ça que demain je vais pas vlogger, que je vais clôturer le vlog là. Tout simplement. J'espère quand même que ça vous aura plu, les quelques jours à la maison, voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.